juifs, enfin bref. Et évidemment, il s'était immergé dans la culture des cloptons de la région. Et c'est comme ça qu'en 1955, donc ça fait 63 ans, que les cloptons à Paul Ricard sont nés et regroupés désormais dans une union qui s'appelle l'Union.
je pensais que c'était votre nom avait une consonance espagnole, mais bon, Portugal c'est pas très loin. Et puis de toute façon, l'esprit de la feria, on l'a cité tout à l'heure, c'est aussi celui du mélange et de la non-frontière dans ces cas-là. Tout à fait, ouais. C'est aussi une question de retrouvailles. C'est ce que vous ressentez tous, on va terminer un peu sur cette question plus générique, là en ce moment à la Bodega des Andalouses et dans ce lancement de feria de Pâques à Arles, les retrouvailles, croiser des arts, voilà, croiser des lieux aussi comme la Fondation Van Gogh, croiser de la peinture, côté plasticien, de la sculpture, croiser des gens, du stylisme. C'est une première pour vous tous ou ça, vous êtes des aficionados de la feria? Perso, je suis né à Nîmes, donc... Ouais. C'est pas la première et c'est pas la dernière. Mais je suis un habitué aussi. Un habitué également, et pour vous, plasticien? Moi, je travaille depuis des années sur le métissage culturel, donc c'est vrai que je trouve ça génial. Quel bonheur, quel bonheur. Vous avez dit un mot important, parole à Julia Marchand également, de la Fondation Van Gogh. Un mot pour cette feria, est-ce que c'est une première, est-ce que c'est une deuxième, une troisième? C'est une troisième fois. Puisque vous travaillez depuis 3 ans comme commissaire d'exposition à la Fondation Van Gogh. Quel est le sentiment alors au bout de la troisième fois? Écoutez, c'est la première fois que je pénètre ce lieu pendant la feria. Alors je suis ravie de voir comment vous l'avez transformé et aussi la liberté que vous donnez à chacun ici pour parler de son art ou en tout cas d'une programmation. Et comme nous sommes voisins, alors c'est d'autant plus émouvant d'être ici pour parler de nos expositions. Merci à vous quatre, merci beaucoup d'être venus parler de votre art, de votre passion en général et du croisement des gens et des cultures. Merci et bonne feria 2018 à Arles. Merci à vous. J'ai toujours sur France Bleu Provence et France Bleu Garloset. On est ensemble encore pour une demi-heure, vous l'aurez compris, en direct jusqu'à 21h. Merci. Oh,
belle soirée. En tout cas, merci Hervé Gaudin d'avoir été avec nous. Tout le monde est à peu près sur scène, France Bleu Gare Lozère, France Bleu Gare. Normalement, c'est la direction de France Bleu Gare Lozère, s'il vous plaît. Allez, Nicolas Varenne, CD Coca, venez nous retrouver pour la photo finale. À part sur la page Facebook, bien sûr, et sur francebleu.fr. Exactement. Et remercier bien sûr tous nos invités qui sont passés ici sur la scène de la Bodega des Andalous depuis 19h pour vous faire entendre, vous montrer ici dans cette église absolument incroyable, vous montrer voilà, les hommages avec le sourire, la vie, la passion, la danse, la Sévillane et bien sûr la Feria de Pâques qui vous attend à partir de demain partout dans la ville d'Arles et jusqu'à... Ah oui, jusqu'à lundi. Un petit mot des directeurs, c'est ça, il vous reste 10 secondes messieurs. Moi je voudrais remercier d'abord l'accueil de toute... De la Bodega des Andalouses et de tout le comité d'organisation, mais surtout aussi toutes les équipes techniques qui ont fait un boulot extrêmement à cet hommage que nous voulons dédier à Luc Jalabert ce soir. Merci au public pour soutenir cette émission. Je pense que les Andalouses, tout le monde en aura entendu parler. Et merci encore beaucoup à l'équipe de France Bleu. Merci à son directeur, ici, d'avoir... eu ce coup de cœur pour cette bodega et d'avoir décidé que ça se ferait à Pâques, à la bodega des Andalous. Je ne vais pas être très longue je ne vais pas faire de discours, simplement, je voudrais, au titre, il a été dit beaucoup de choses concernant la disparition de Luc Jalabert. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous prêtiez un petit moment de votre temps. Non pas pour une minute de silence, c'est pas le lieu, on va pas le faire comme ça. Mais j'aimerais bien qu'il y ait quelques instants de palmas. Applausos. C'est le lieu des retrouvailles, c'est le début de la saison. Je remercie encore, je n'ai pas eu tout à fait le temps de le dire, mais tous ces partenaires qui nous soutiennent, beaucoup sont dans la salle, tous ces bénévoles qui ont bossé comme des fous depuis 10 jours pour vous présenter ce lieu. Je pense qu'on peut... Bravo, c'est vrai Dominique. Bravo, bravo bénévoles. Merci aux élus de nous soutenir. Ah, j'avais perdu Monsieur Levert. Je vais passer le micro pour la conclusion finale, comme je le fais d'habitude, à Monsieur Levert pour lancer la feria. Voilà, à mon tour de vous dire toute l'émotion que nous avons du fait de la disparition, bien sûr, de Luc Jalabert. Et nous serons, bien entendu, demain à 9h30, tous dans les arènes, pour lui rendre le dernier hommage comme nous l'avons fait pour Pierre Poulie et Hubert Yonnet. C'est un moment inexplicable, incompréhensible, tant à la fois la ville se transforme pour la fête autour du taureau et en même temps que celui qui lui a donné, après Pierre Poulie et Hubert Yonnet, cette dimension dans les arènes d'art. Et bien entendu, faites une belle feria, qu'elle soit celle de la sincérité, de la beauté et de la grandeur d'Arles. Merci à vous tous. Je vous invite à continuer à faire la fête dans la salle. Merci d'être venus, merci d'être là. Et on va vous revoir demain.
derrière le pont. Allez, merci. Merci à tous. Allez, bonsoir. Bonsoir.